OMG. Elle veut me tuer. Monsieur Crispin, tout se passe comme vous voulez. Interrompez-moi encore une fois et c'est vous le suivant. Oh, parce qu'apparemment en fait il s'est fait passer pour un mec, tu vois. Viens avec moi. Et Non. Non. Et moi, trouvons. Et donc il va à sa place en fait. Et apparemment c'est un gros monstre et tout, il fait du mal aux meufs et tout, tu vois. Donc elle a peur en fait. Voilà. Donc il lui dit ouais non mais c'est pas moi et tout, je veux pas te taper, enfin je veux pas te tuer et tout, machin. Enfin bref. Tu as compris quoi. Oh, fais chier, ça a pas duré longtemps, c'était marrant. Mon arme. Nous espérons vous revoir bientôt. Nous espérons vous revoir bientôt. Bah oui, je reviendrai bientôt. T'inquiète pas. J'ai besoin d'un service. Il faut que je fasse sortir Poppy de cet endroit. Appelle l'Infinite 92 et fais-toi passer pour mon assistante. Et dis-leur que j'insiste pour que Poppy me soit remise lors des enchères. D'accord. Elle y sera. Je vois tout ce qu'il faut. Peut-être que Crispin devait mourir, mais au moins, de sauver cette fille, c'est déjà ça, non? Je crois pas que les choses soient aussi simples. Mais on va la tirer de cet enfer. Finish. Alors, où est-ce qu'on doit aller? Dans un truc d'enchère. Une enchère risquée. Oh. Toi, tu me saoules, toi. Puis-je passer, s'il te plaît? Ouh, ça fait mal. C'est quoi, j'ai une voiture violette. Ouais. J'ai la voiture la plus chère du truc, tu sais. Bah, à cause du gars, parce qu'apparemment il a plein de pognon, donc. Bon, bah, c'est cool, quoi. Surtout qu'elle s'abîme pas, c'est bien. Je te promets. Déjà, ils me font trop rire quand ils ont peur. Allez, avance, s'il te plaît. Merci. Le
Jackie Quinn fait de nouveau l'actualité, cette fois-ci pour ses œuvres caritatives. Aujourd'hui, des représentants de l'hôtel Merlot, dont il est propriétaire, ont annoncé l'organisation d'un grand dîner de gala. Non mais le lol. Le maire doit être présent à cette soirée, qui devrait réunir un grand nombre de célébrités. Ah non, j'ai rien dit en fait. En fait, elle est pas invincible, ma voiture. Les enchères de Quinn. Non, non, elle a perdu son capot. Il va y avoir des gardes partout et ils vont pas tarder à apprendre ce qui s'est passé chez le concessionnaire. Alors je trouve Irak, je scanne sa plaque et je me tire discrètement. Ça a l'air facile. Mais à mon avis, ça risque d'être tout le contraire. En même temps, t'as pas trop la tête de Monsieur Crispin. Désolé, Monsieur Crispin. On doit prendre votre arme. Mais avec plaisir. Prenez-en soin. Monsieur Quinn dit que vous voulez voir la matière première. Oui, j'aime bien voir ce que j'achète. J'ai demandé à ce que ma marchandise soit livrée ici. Dites-moi où je peux trouver Poppy. Monsieur Quinn a bien reçu votre demande. Vous inquiétez pas, elle est là. Vous devez connaître les règles fixées par Monsieur Quinn. Tout paiement doit être effectué en liquide ou via un compte sécurisé. S'il vous prend l'envie de tester une fille avant que les enchères soient ouvertes, il y a un supplément à payer. Les filles premium ne peuvent pas être testées. Pour préserver leur valeur, voyez ce que je veux dire? Ouais, je vois, oui. Et allez-y doucement ce soir, si sa part n'aura du mal à convaincre les autres du service. Nos clients sont plutôt discrets. Ouais, ouais, faites le virement au plus vite et basta. Moi, parler aux gangsters, ça me file de l'urticaire. Vous inquiétez pas, le patron s'en occupera bientôt. Moi, je vais te dire un truc, faut pas que ça se sache tout ça. C'est hors de question que je finisse en taule. Alors vous avez intérêt à pas faire de conneries ce soir. C'est Monsieur Crispin, la compagne pour voir Monsieur Quinn. Ils amèneront pas toute la marchandise sur scène en même temps. Certaines de ces marchandises seront montrées en privé. Elles ont toutes été marquées avec un numéro. Comme ça, c'est plus efficace. Certains invités. Ah, mais en fait, c'est des enchères de meufs, quoi. Vous vouliez voir la scène. Sinon, comment pourrais-je apprécier la qualité de votre travail? Hey, Rox. Reste pas là, toi. Monsieur Quinn l'attend. Monsieur Quinn est là-haut avec Irak. C'est une enchère de meufs. C'est-à-dire que t'as des meufs nues sur la scène, genre. Ils ont des numéros. Tout est complètement normal. C'est quoi ce jeu de sexiste, là? Yo, le boss vient juste d'appeler. Les hommes de Quinn viennent de se faire buter. Il se passe un truc. Il veut qu'on vérifie toutes les identités. Tout le monde doit y passer. La radio est deux calme, fois, quand même l'œil. Faites gaffe, on sait jamais. Coucou, c'est Monsieur Crispin. Sauf votre respect, c'est vos hommes qui ont disparu. Ça devient trop risqué, il faut plus qu'un supplément de sécurité. On aurait dû tout annuler. Le risque, c'est d'être perçu comme quelqu'un de faible. Détendez-vous. Faites votre travail, sans en faire toute une histoire. Ouais, mais il manque des gars. Ça, c'est votre problème, Monsieur Irak. Les affaires doivent continuer. En attendant, trouvez qui a tué mes hommes. Ce sera tout. Monsieur Crispin. Excusez. Bien sûr. Ah, notre invité est d'honneur. Monsieur Quinn, malheureusement, je ne peux pas rester. Vous aimez ce petit spectacle? Ça me fait trop rire parce que le gars, genre, je l'ai déjà vu, lui il me reconnaît même pas tellement qu'il est vieux. Oh, parce que en fait j'ai aidé quelqu'un et j'étais dans la voiture et lui il était dehors et en fait là je le revois et je me fais passer pour Monsieur Crispin donc tout est normal. Le mec il me reconnaît pas. Monsieur Irak voit une compte aux enchères, il voit une récompense. Et l'expérience m'a appris à ne jamais me laisser manipuler. Jamais céder.
beaucoup de choses pour en arriver où j'en suis. On m'appelle Loki, mais la chance n'y est pour rien. Monsieur Crispin, il se méfie de vous. Je sais, allons-y. Viens, plus près. Ce tatouage. Ils disent qu'ils s'en servent pour nous retrouver. Ça marche comme ça dans le business. Je peux brouiller le signal. C'est fait ? Oui. Je les ai entendus parler de Crispin. Ils savent qu'il y a quelque chose qui va pas. Vous devez partir, vite ! Passez par le sous-sol. Viens avec moi. Non. Ah ouais, mais en fait, je peux pas. J'ai plus d'armes. En ce moment. Attends, mais je vois pas ce qui se passe aussi. Ah mais merde, je suis con. Fallait que j'ouvre le profiler. C'est le portable de qui bip? Ah merde, c'est le mien. Ah merde, ça va exploser. Le mec, genre, il pète. Attention, attention, faites gaffe! Voilà. Comme ça, c'est... Rien. Attention, les mecs! La putain de Sarah, non! Je peux pas crever comme ça! Je peux pas crever comme ça, bordel! Je vais regarder là-bas. Bon, je bouge. Non, pas du tout, tu me connais pas.
lol. Ça, tu me fais trop peur, mec. Pourquoi c'est animal? Oui, mais grave. C'est là-bas, faut aller tuer. Allez, on lâche rien. Balance une grenade sur la gueule. Ah, allez, les mecs, assurez. Ah oui, ça fait très mal. Putain, ils arrivent. J'ai pas du tout compris ce qui s'est passé. Ah là là. J'aime pas du tout. Reste concentré, les gars. C'est quoi ce bruit? C'est bon. Je vais regarder par là-bas. Putain, y'a rien, rien par ici. Ouais, je vais chercher par là. Continue. J'ai que dalle ici. Je change de coin. Putain, c'est quoi? Allez, bougez-vous, putain! Trouvez-moi ce bâtard! Faites gaffe, les mecs!
Ce petit bâtard croit pouvoir se planquer. Le laissez pas se tirer. Trouvez-le. C'est que dalle ici. Je change de coin. Merde, faites gaffe. Faites gaffe les mecs! Vous le trouvez cet enfoiré! Faites-le moi sortir de son trou, faut pas le paumer! Attends, il crève jamais! Descends pas, t'es mort. Voilà. Ça, c'est fait. On lâche rien, faites super gaffe.
le voir ailleurs. Réveillez-vous les gros. Putain, y'a que dalle ici. Il en a pris une. Gaffe les mecs, c'est du lourd. Ce petit con essaye de se planquer, chopez-le. Merde. Faites gaffe les Viceroy. Attention les mecs. Faites-lui sortir sa sale gueule que je le crève! Hé les gars, on baisse pas la carte!
quelle est votre urgence? Il y a une grosse fusillade qui a lieu là, à Brandon Docks, au niveau des Barrows. À toutes les unités, on signale une fusillade aux Barrows de Brandon Docks, à toutes les unités. Par les retrouver un jour. Ouh, c'était chaud, chaud, chaud. Putain, j'ai cru que j'allais avoir la police au cul. Alors, enquêter sur une série de mallettes suspectes, localiser les acheteurs douteux et pirater leurs données. Ok, ok, ok. Je vais essayer de retrouver ces types et utiliser le profiler sur eux. Après ça. Alors, c'est quoi ça? Bah, je pourrais prouver ce qu'ils ont fait ici et faire tomber toute l'organisation. Monsieur Pierce, Jackson a disparu. Je suis très inquiète. J'allais appeler la police, mais je voulais d'abord vous prévenir. Vous avez bien fait. Il fait ça de temps en temps. Quand il est stressé, il part souvent faire une balade en métro. Vous inquiétez pas, je sais où le trouver. S'il vous plaît, tenez-moi au courant. Si vous n'arrivez pas à le retrouver, il faudra appeler la police. Tout ira très bien, je vous assure. Alors, où est-il, le petit coquin ? Merde. J'avais peur que Jackson fasse un truc pareil. C'est bien son genre. Il tient ça de son oncle. Il est parti à la recherche de sa mère. Mais où est-ce qu'il a pu aller? Le voilà. Chercher notre petit neveu. Je viens de chercher. Oh là là. Il fait chier à être parti, lui. J'ai d'autres choses à faire. Merde. Là, je suis restée sur ma moto, c'est pas grave. Putain, c'est loin ou quoi?
c'est long la route, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. 900 mètres, 800 mètres. Mad mile, mad mile. Alors. Merde, qu'est-ce que Jackson fait ici? C'est le fourgon de Racine. Il doit penser que sa mère est là. L'endroit est à la mafia. Et après les enchères, ces types vont être sur leur garde.